Qui nous raconte vraiment l'expérience d'une vie qui s'est terminée trop tôt. C'est quelqu'un qui a perdu sa femme et qui a voulu sublimer la mort au travers d'une œuvre musicale. Ce n'est pas que en fait le cancer de Julie et sa mort, mais c'est également toute la féminité, la rencontre, l'envie de vie, l'attente d'un enfant qui ne vient pas. Alors c'est une œuvre qui raconte le parcours d'une famille face au combat contre le cancer. Je trouve que c'est une œuvre qui relate vraiment tous les sentiments par lesquels on peut passer à l'annonce d'une maladie, à l'annonce d'un diagnostic très compliqué et à une fin tragique. Le thème d'ailleurs qui se balade dans tout le morceau m'a transpercé. Ça m'a envahi tout le corps. Et du coup, il y a une puissance incroyable. Une image de ce que la vie peut nous apporter, c'est-à-dire des joies, des peines. Bien sûr, c'est triste parce que c'est une histoire qui termine, on peut dire, pas bien. Mais en même temps, cette histoire d'amour, ça, c'est à travers tout le morceau. Les airs se sont enchaînés comme une petite mélodie dans la tête.
Je trouve que c'est un hommage. C'est un hommage aux gens qui sont partis. Tous touchés de plus ou moins près par ce thème qu'est le cancer. Je l'étais à ce moment-là, et donc, pas moi personnellement, mais parmi mes proches, et donc j'ai choisi de travailler cette œuvre-là en hommage à ça et à toutes ces personnes qui sont touchées par ce sujet important.